ça va, je suis trop contente de reprendre les vlogs ateliers. Donc j'ai une semaine de vacances, ce qui est quand même vachement rare. Mes écoles font tous les ponts, donc c'est plutôt cool. Donc du coup j'ai voulu en profiter. J'ai une journée aussi extrêmement chargée et j'ai beaucoup hésité à commencer les vlogs aujourd'hui, tout simplement parce que je vous explique. En fait, je me suis levée tôt, comme vous l'avez vu à l'heure. Et là, tout simplement, je dois déjà faire mes ongles parce que, pouf, je n'ai plus rien dessus. Et il faut absolument que je les refasse en gel parce que sinon, ils vont casser et j'ai horreur de la sensation. Enfin bref, et ma vidéo de cet après-midi n'est pas prête. Tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, tout simplement, j'ai filmé la vidéo qui était censée être aujourd'hui et je ne vais pas la publier aujourd'hui. En fait, c'est une vidéo où il me faut une outro avec un temps entre le moment où j'ai filmé et le moment où vous le voyez. Vous n'allez rien comprendre, c'est normal, vous comprendrez beaucoup plus vendredi quand elle sortira du coup. Tout ça pour dire qu'en fait je ne peux pas la sortir maintenant, ça ne sera pas exactement comme je veux dans ma tête et je n'aime pas ça. Donc je dois filmer une nouvelle vidéo du coup pour cet après-midi, je dois faire le montage, je dois la mettre en ligne, sachant que ce midi et cet après-midi je ne suis pas là, ma maman vient manger et on part en forêt faire une balade avec les toutous, ça va être topissime comme il fait super beau. Donc voilà, donc en fait j'ai une matinée pour faire mes ongles, filmer, monter, mettre en ligne. Tout va bien, surtout que mes ongles je mets à peu près 4 mois à les faire parce que une main ça va toute seule et l'autre forcément c'est plus compliqué. Donc voilà, ça va être cool, je sais pas encore du coup ce que j'aurai le temps de vous filmer. Je sais pas du coup si vous allez voir cette vidéo en même temps que celle de demain. Je verrai vraiment avec le contenu que j'ai. Mais on perd pas une minute et c'est parti. Cet après-midi est faite. Je suis vraiment contente, j'ai fait un coloriage mystère d'un dessin animé que j'ai regardé justement hier, donc je suis en plein dedans et je suis vraiment contente. Donc j'ai fait mes ongles aussi, donc vous les avez vus, je vous les avais montrés. Donc j'ai fait quelque chose de très simple parce que tout simplement je ne suis pas douée, j'ai vraiment du mal et ma prothésiste ongulaire habituelle France me manque énormément, mais côté emploi du temps en ce moment c'est un petit peu compliqué pour prendre un rendez-vous. Donc du coup bah, je me débrouille par moi-même en attendant de pouvoir retrouver un créneau où ça nous arrangera toutes les deux. On fait comme on peut comme on dit. Donc là je suis en train de travailler le montage, donc j'ai déjà fait toute la partie montage. Je dois mettre la voix off, je dois mettre travailler au niveau de la musique etc. Et j'aurai plus qu'à l'enregistrer et l'uploader, donc ça c'est plutôt bon signe. Je dois aussi faire une couche sur un t-shirt parce que j'ai reçu une commande personnalisée de t-shirt, donc un stitch. Donc il est juste là. Tadam. Donc là on voit juste le motif mais en fait il est en bleu tout simple et la commande est en bleu un peu pailleté, donc je dois faire la couche de paillettes au dessus que j'ai pas encore eu le temps de faire, je devais la faire normalement hier mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc je vais la faire maintenant, c'est pas grave, avec le soleil elle aura bien le temps de sécher comme il faut, donc c'est plutôt cool. Et je vais surtout continuer le montage là tout de suite. Donc c'est un peu une journée top chrono parce que forcément j'ai plein de choses à faire avec un délai très réduit forcément, mais ça va le faire et c'est parti.
arrêter le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'était plus un vlog atelier au niveau du matin, l'après-midi c'était plus sortie, etc. Mais j'avais envie de vous emmener avec moi étant donné que vous me demandiez très régulièrement comment va mon petit toutou, etc. Je me suis dit que c'était l'occasion de le voir en pleine complicité avec le toutou de ma maman. Ils sont copains comme cochons et c'est vraiment trop beau à voir, j'adore les voir tous les deux. Tout copain comme ça, donc voilà, je voulais vous le faire partager, j'espère que ça vous aura plu. Donc je continue les vlogs normalement jusqu'à la fin de semaine, on en reparlera d'ici là. En tout cas, dès demain, je vlog et j'entame un tout nouveau projet. Donc on reste dans le domaine du mandala, mais c'est quelque chose d'assez particulier que je n'ai jamais fait et ça sera vraiment une première pour moi, donc je vais commencer ça demain. Et j'ai trop hâte de m'y mettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, ça me ferait vraiment très plaisir étant donné qu'il sort un petit peu de ce que je fais habituellement. N'hésitez pas à me mettre aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.